Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19 Info à la une de ce lundi 17 juin. 255e jour du génocide sioniste à Gaza, le bilan des morts ne cesse de grimper pour dépasser la barre des 37 000 martyrs, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Le chef des humanitaires de l'ONU fustige l'entité sioniste et affirme que Gaza s'est transformé en un enfer sur Terre. Deuxième jour de l'Eid al-Adha dans les pays musulmans. Il marque également la dernière étape du Hajj, consistant la lapidation symbolique de Satan. Et en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa brique un deuxième mandat et arrache le vote des nouveaux locataires du Parlement du Cap. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 19 Info et on entame l'actualité de cette édition avec la situation en Palestine occupée, plus précisément à Gaza. Dans ce lundi 17 juin, deuxième jour de l'Eid al-Adha dans les pays musulmans, marque également le 255e jour de l'agression génocidaire sur la bande de Gaza en Palestine occupée. Le bilan des morts depuis le début de ce génocide est passé à 37 347 martyrs et 85 300 172 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Au cours des dernières 24 heures, l'occupation a commis deux massacres qui ont tué 10 citoyens et blessé 73 autres. Le chef des humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que les bombardements de l'armée de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier ont transformé l'enclave palestinienne assiégée en un enfer sur terre. C'était par l'agence de presse Wafa. Griffiths a affirmé en outre qu'il était presque impossible de fournir une aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza qui sont au bord de la famine, notant que les civils et les infrastructures de la bande de Gaza ont été soumis à des dommages excessifs. Le responsable onusien a par ailleurs déploré le fait que les armes continuent à affluer vers l'entité sioniste depuis les États-Unis et d'autres pays, malgré l'impact horrible de la guerre ou du génocide sur les civils de Gaza, a-t-il déclaré. Et depuis ce matin, à l'aube, deux Palestiniens ont été martyrisés lors d'un raid sioniste sur le quartier de Zarqa, au nord de la ville de Gaza. Et au moins 13 autres personnes ont été blessées par des raids sionistes sur une maison dans le quartier de Zarqa, toujours au nord de Gaza. Par ailleurs, des drones quadcoptères ont été tirés vers les terres agricoles dans la région de Hakkara, Dar al-Balah, tandis que des violentes explosions ont été entendues dans les camps de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza, en jonction avec des avions de combat sionistes volant dans la région. «
Et l'armée d'occupation sioniste a brûlé ce lundi, au deuxième jour de l'Aïd al-Adha, le hall de départ et un certain nombre de bâtiments du côté palestinien du passage terrestre de Rafah au sud de la bande de Gaza, tandis que les véhicules militaires sionistes pénétraient dans le centre de Rafah sous coup de feu nourri, en même moment qu'une autre incursion dans le quartier d'El Zeytoun au sud-ouest de l'enclave palestinienne. Et de son côté, le porte-parole de l'UNICEF déplore également la situation en Palestine occupée, ou à Gaza plus précisément, qui subit actuellement un génocide. James Adler a de son côté affirmé que la situation dans la bande de Gaza s'aggrave de jour en jour, soulignant l'horreur que vivent les enfants palestiniens à Gaza. En effet, James Adler a déclaré qu'il n'est pas normal que les enfants de Gaza vivent dans une terreur constante. Par ailleurs, James Adler ne cache pas son désarroi et témoigne, je cite, « Il y a 3000 enfants à qui nous fournissons une aide alimentaire d'urgence et maintenant nous ne savons pas où ils se trouvent », a-t-il déclaré. Le responsable de l'agence onusienne a aussi dénoncé les restrictions pertinentes ou persistantes de l'entité sioniste sur l'aide alimentaire vers la bande de Gaza. Je vous le disais à l'instant, les agences tunisiennes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur la situation dans la bande de Gaza. L'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a affirmé ce lundi, je cite, que la bande de Gaza est en proie à une agression génocidaire sioniste depuis près de 9 mois. L'agence a par ailleurs ajouté que cela représente l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires, signalant que l'UNRWA a perdu durant ces 9 mois de génocide 193 de ses membres, ce qui représente le plus grand nombre de morts dans l'histoire des Nations Unies pour les humanitaires. Cela dit, l'UNRWA affirme poursuivre son travail sur le terrain pour soutenir les familles et fournir de l'aide dans le contexte de graves crises humanitaires dans la bande de Gaza en raison de ce génocide. Et dans le reste des territoires palestiniens occupés, la répression continue à s'abattre sur les Palestiniens. Les forces d'occupation ont arrêté 3 jeunes Palestiniens dans la ville de Ramallah après avoir perquisitionné et fouillé la maison de leurs parents. Les forces sionistes ont fait une descente dans la localité de Nine. Les sources médiatiques palestiniennes ont indiqué que les véhicules militaires de l'occupant sioniste ont envahi le village de Dar Nitam au nord-ouest de Ramallah. Par ailleurs, les colons sionistes ont une nouvelle fois envahi la communauté bédouine d'Al-Arab El-Meleihat au nord de la ville de Ariha. Un groupe de colons sionistes a pris d'assaut la salle de prière et l'ont dévastée. Il est à noter que les communautés bédouines dans la vallée du Jourdain souffrent des attaques quotidiennes des milices, des colons armés en Cisjordanie occupée. La violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens est quasi courante et elle est en violation directe du droit international. Plus de 600 000 sionistes vivent dans les colonies uniquement juives à Jérusalem-Est occupée et en Cisjordanie occupée. Et en Cisjordanie occupée toujours, l'occupant a mené des raids dans plusieurs localités. Selon les médias palestiniens, l'armée de l'occupant a pris d'assaut la ville de Qalqalia dans le camp de réfugiés d'Aqrabat Jaber au sud de Ariha, une localité de Silet Ed Dahar et plusieurs villages près de Jenin. Des raids ont également été
eu lieu dans la localité de Chouyour, au nord d'El Khalil, dans le village de Ourif, et dans la localité d'Aqraba, près de Naplouse. Depuis le 7 octobre dernier, plus de 9300 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée. Parallèlement à son agression génocidaire sur Gaza, l'armée et les colons sionistes ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie occupée, y compris à El-Quds Est, qui ont entraîné la mort de 553 Palestiniens et blessé environ 5200 autres. Et alors que l'armée d'occupation sioniste essuie plusieurs pertes dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a déclaré dissoudre le cabinet de guerre. De vives divisions traversent le cabinet. Une dissolution qui témoigne des vives dimensions entre le gouvernement et son armée pendant l'année. L'armée d'occupation continue à bombarder ou à s'embourber à Gaza. Le point avec Safouane Ben Sabria. Au bout du huitième mois d'agression sur Gaza et la Cisjordanie, le commandement militaire sioniste se trouve dans une situation délicate. Il y a une semaine, l'ancien ministre de la Défense a lâché son premier ministre en rase campagne, une démission qui signe une profonde division en temps de guerre. Benny Gantz avait déclaré que Benjamin Netanyahou était devenu un obstacle à la victoire. Aujourd'hui, Netanyahou a annoncé la dissolution de l'ensemble du cabinet de guerre, une dissolution qui intervient dans un contexte particulier. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich demandent depuis 2 semaines à rejoindre le cabinet restreint. Deux ministres connus pour leurs provocations et leurs positions radicales, suprémacistes et racistes. Une inclusion de ces deux personnalités reviendrait à prendre un tournant difficilement défendable sur la scène internationale. La divergence est plus profonde, il s'agit d'une différence de vision entre l'armée et le politique. Netanyahou a d'ailleurs ouvertement critiqué l'armée d'occupation sioniste, et ce en raison du projet de l'armée d'ouvrir un accès limité à l'aide humanitaire à Gaza, chose qui semble inacceptable pour Benjamin Netanyahou, alors que les instances internationales insistent sur la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. L'impasse politique dans laquelle se trouve le Premier ministre est directement dépendante des succès militaires qui tardent à venir de la bande de Gaza, dans laquelle l'armée d'occupation se retrouve embourbée. En l'état, la défaite politique et militaire semble se profiler simultanément pour Tel Aviv. Par ailleurs, les forces sionistes ont repris ce lundi matin leur bombardement sur plusieurs villes du sud du Liban, ont rapporté les médias locaux, ajoutant que l'armée sioniste a lancé à l'aide d'avions de guerre des raids à la périphérie des villes de Kafr Hammam et Rachayat al-Fakhr dans le district de Hassabiya, tandis que l'artillerie de l'occupation a ciblé la plaine de Marajouyoun et la région de Hura dans la région de Kafr Kifa. Au sud du Liban, l'entité sioniste a intensifié ses attaques contre le Liban, notamment depuis que le sud du pays, ou encore depuis le 7 octobre 2023, date du lancement de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. Voilà donc, Madame, Monsieur, pour ce qui est des dernières 24 heures en Palestine occupée, ou plus précisément à Gaza, qui subit actuellement
un génocide. Je vous le disais en titre, les pèlerins musulmans accomplissent leur dernier grand rituel du Hijj dans la ville sainte de la Mecque, qui consiste en la lapidation symbolique de Satan, alors que les musulmans du monde entier célèbrent donc le deuxième jour de l'Aïd al-Adha. La lapidation symbolique de Satan fait partie des derniers rites du Hijj, qui est l'un des cinq piliers de l'islam et a eu lieu le jour après. Plus d'un million, 1,8 million de pèlerins se sont rassemblés sur une colline sacrée connue sous le nom du Mont Arafat. Il est certain qu'en tant que musulmans, tous nos sentiments vont aux Palestiniens et en particulier à ceux de Gaza. Après chaque rituel, nous prions pour eux et pour que Dieu leur donne la victoire sur leur ennemi. Et plus d'une douzaine de personnes ont perdu la vie à la Mecque en Arabie Saoudite en lien avec un pic de chaleur qui touche actuellement le pays en plein pèlerinage du Hajj qui réunit, je vous le disais à l'instant, environ 1,8 million de personnes. L'Arabie Saoudite a mis en garde lundi contre des températures extrêmes dans la ville sainte de la Mecque. Hier, nous étions en route et nous avons vu des cadavres sur la route. Ils étaient recouverts d'un drap blanc sur la route parce que les températures sont très élevées ici. Je ne parle pas seulement des personnes âgées, des jeunes sont morts aussi. Mais Dieu soit loué, s'il a voulu que des gens meurent ici, Dieu soit loué. Hier, la plupart des gens sont morts sur le bord de la route et certains se sont évanouis à cause de la chaleur. Ils doivent donc prendre des dispositions. Ils doivent organiser et améliorer un peu le transport lorsque la saison du Hajj aura lieu en été. Et en Afghanistan, les musulmans n'ont pas manqué l'appel à la prière de Eid al-Adha. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés à cette occasion pour accomplir la grande prière qui marque donc le début de l'Aïd, et ce en dépit de la situation sécuritaire délicate que traverse le pays. Au Cachemire également, les musulmans se sont donnés rendez-vous pour la prière de Eid al-Adha et se sont rassemblés à la mosquée Ali Masjid, la deuxième plus grande mosquée de Sinjar. Et naturellement, les Pakistanais ne sont pas en reste des musulmans du monde. Ils se sont rassemblés par centaines pour accomplir la prière de Eid al-Adha et le rituel du sacrifice, occasion de rappeler notamment les valeurs fondamentales de l'islam, la solidarité et l'entraide. Le matin, nous allons prier pour l'Aïd et après les prières, nous rendons visite à nos proches et le sacrifice est accompli. L'après-midi, nous distribuons la viande à tout le monde. Il faut 2 jours à 2 jours et demi pour que tout le monde puisse distribuer. Et puis, direction l'Afrique ou l'Afrique du Sud, où Cyril Ramaphosa a été réélu à la tête du pays à la suite de la première réunion du Parlement issue des élections générales du 29 mai dernier. Ramaphosa brigue ainsi un deuxième mandat à la tête de l'Afrique du Sud et marque le début d'une nouvelle ère pour la vie politique sud-africaine, notamment avec une coalition avec deux grands partis d'opposition. Le point avec Imen Merad. 283 votes. Cyril Ramaphosa réélu président avec une majorité écrasante à la tête de l'Afrique du Sud avec 280 des voix des parlementaires. Cette élection présidentielle a été cruciale pour l'ANC et Ramaphosa, qui pour la première fois de leur histoire passe par une alliance pour avoir droit à la magistrature suprême du pays. Et dans le sillage de cet accord, c'est donc un gouvernement d'unité nationale inclusif qui va composer l'exécutif de Ramaphosa pour ce deuxième mandat de président.
Cela dit, bien que l'alliance de l'ANC avec les deux plus grandes formations politiques d'opposition issues de la mouvance centriste n'empêche pas certains d'aller plus loin. C'est le cas notamment de l'ex-président démissionnaire sous fond de scandale de corruption Jacob Zuma, qui rejoint les rangs du parti MK après son éviction de l'ANC, annonçant qu'il rejoindra une alliance d'opposition pour coordonner la résistance au gouvernement, tout en maintenant sa contestation des résultats des élections générales. Nous sommes assis aujourd'hui ici. Nous n'aurions pas dû être ici. La commission électorale aurait dû prendre en compte nos plaintes qui sont lourdes et sérieuses. Ils ont décidé de ne pas le faire. Dans notre pays, vous pouvez le faire, pas de problème. Dans un pays démocratique, vous ne pouvez pas le faire. Où est la démocratie ? Se soumettre ou se battre, selon Zuma, tels sont les choix qu'il leur reste. L'ancien chef de l'État a promis de s'adresser bientôt à la nation et de mettre en place un plan de bataille avec pour objectif reprendre le pays aux ennemis du progrès. L'investiture de Ramaphosa se déroulera le 19 juin en cours, ce qui fera ainsi de lui le 7e président de la jeune nation sud-africaine depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie spécifique. Et pour les Sahraouis, ce 17 juin marque le 54e anniversaire du soulèvement historique du peuple sahraoui à Zamla. Considéré comme un tournant important dans la lutte de la libération du peuple sahraoui contre le joug du colonialisme, d'abord contre le colonialisme espagnol. Ça s'est passé un 17 juin donc 1977. Le mouvement d'avant-garde pour la libération du Sahara occidental, dirigé par Mohamed Seyyid Ibrahim Bassiri, a annoncé son rejet total et absolu des tentatives du colon espagnol de considérer le Sahara occidental comme une province lui appartenant. Et au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. L'armée du pays a annoncé avoir repris le contrôle de la ville de Mansila, dans le nord du pays, plus précisément à la frontière avec le Niger. Comme vous le savez, le Burkina Faso et d'autres pays de la région sahélienne font face à un important abcès sécuritaire, et ce depuis une dizaine d'années. À noter que la région de Mansila a été le théâtre d'une attaque particulièrement violente mardi dernier, qui a coûté la ville à une dizaine de personnes, dont des militaires et des civils. Dans le reste de l'actualité, direction la France, où la campagne pour les élections législatives anticipées convoquées par le président français Emmanuel Macron a démarré ce lundi après l'avancée réalisée aux européennes par l'extrême droite. Au total, donc 577 sièges de députés sont à pourvoir lors de ce scrutin, dont le premier tour est prévu le 30 juin et le second le 5 juillet. Prochain à noter qu'il s'agit de la sixième dissolution sous la Ve République, la dernière annoncée par le président feu Jacques Chirac en 1997, qui avait conduit à la victoire de la gauche, aboutissant à une cohabitation. Et au moins 15 personnes sont décédées dans une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises dans l'état indien du Bengale occidental, a indiqué l'agence de presse indienne dans un nouveau bilan annoncé par les autorités locales. Et selon les informations, l'un des conducteurs de train figure parmi les victimes et au moins 60 autres personnes ont été blessées. Les faits se sont produits vers 9h heure locale lorsqu'un train de marchandises a percuté un train express près de la gare de Rangapane. Selon les premières informations, les circonstances de l'accident sont en train d'être clarifiées. Le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances aux proches des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. À noter que l'opération de sauvetage est toujours en cours.
Pékin a vivement réagi lundi à la déclaration finale des dirigeants du G7 et s'en prenant à la Chine, l'accusant d'être plein d'arrogance et de préjugés et de mensonges. La déclaration du sommet du G7 a une fois de plus été manipulée. Les questions liées à la Chine calomnie et attaque la Chine, a donc déclaré le porte-parole des affaires étrangères chinoises. Je vous laisse l'écouter. La déclaration du sommet du G7 a une fois de plus manipulé les questions liées à la Chine, a calomnié et attaqué la Chine, a répété des clichés qui n'ont aucune base factuelle, aucune base juridique et aucune justification morale et qui sont pleins d'arrogance, de préjugés et de mensonges. La production chinoise de gaz naturel a maintenu une expansion stable au cours des 5 premiers mois de 2024, d'après les données publiées ce lundi par le Bureau d'État des statistiques. Le pays a produit 100,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel de janvier à mai, soit une augmentation de 5,2% sur un an. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble en plateforme digitale et retrouvez Kenem Boazis pour l'échiquier international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.